Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Voilà la sœur Mathieu qui explique les raisons pourquoi elle n'a pas été au funérailles de Bob Lee. Je vous laisse cette vidéo. Mon ami aux États-Unis, s'il vous plaît, qu'elle fasse vidéo quand vous allez l'enterrer, j'ai parti. Elle prend sa femme, lui donne mon enveloppe. Il faut faire ma. Ils sont déjà fait, j'ai fait mon deuil. Hein. Mais c'est à vous que courez à son corps. Moi, je vous regarde. Il a couru derrière vous, pourquoi? Avoir beaucoup, beaucoup d'argent, vous courez à le corps de mon ami, pourquoi? Il a pris mon billet de New York. Quand vous allez finir de courir à son corps, là, moi, mon ami, là, est venu dignement prier pour elle avec mes abonnés. Quand vous aimez direct, il peut mettre direct. Il a pris mon billet de voici, c'est ici. Je ne mens pas, voici, et puis voici le numéro de mon billet. Vous pouvez appeler. Hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je vous regarde, parce que j'ai envie de parler. Ça peut le saouler de Paris, ça peut le saouler de Paris, je suis sortie. Parce que vous aimez trop ça. Voilà mon billet. Ah, ça c'est pour New York, hein. C'est Delta. Avec mon fils. Nous sommes deux dessus. Avec mon père, mon fils le connaît. Voilà, c'est ici. Voilà mon numéro de billet. C'est changeable. Okay. Voilà mon billet d'Abidjan. Parce qu'après New York, je partais à Abidjan. Où ils vont envoyer ça à Abidjan, j'ai déjà pris mon billet. Puis c'est changeable. Là, ça me revient. Je ne vais pas pour mon billet le même jour. Donc, j'ai déjà pris les billets changeables. Voilà mon billet maintenant d'Abidjan. Maman, pardon, j'ai fini. Pardon, j'ai pas trop causé. Je vais la laisser. Voilà, c'est ici. Mon billet d'Abidjan. On dit New York. Je quitte à New York. Voilà, c'est ici. Mati Dola, Mati Weiser. Voilà, c'est ici. Si vous lisez bien, je quitte à New York. Voilà, voilà mon billet ici. Voilà, vous pouvez faire capture. Je quitte à New York pour arriver à Abidjan. Où mon ami, vous allez envoyer mon ami là. Je vais être là-bas. Je vais aller à Abidjan voir sa maman et mon Yako. Je n'ai pas rendu à quelqu'un d'autre. Ah, elle n'a pas vu au funérail. Funérail que vous avez fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ne partez là-bas, moi seul. Vous allez aussi m'enterrer. Et c'est pas où qui est là-bas. Je ne connais personne. Bon, il m'a dit qu'il n'y a personne. Eh, vous dites qu'il n'y a personne dans son funérail. Vous voulez voir qu'il est dans le funérail de Bob Lee. Bob Lee lui-même dit qu'il n'a pas d'amis. Bob lui dit que même s'il meurt là, il veut mourir seul, il veut partir seul. Parce que c'est ce qu'il a fait. Non, son funérail était en fait pitié. Son funérail ne faisait pas pitié. Il est un chef, il est digne. Lui-même a parlé ici. C'est vous donc, vous voulez avoir beaucoup d'hommes dans le funérail, quoi. Ici aux États-Unis, hein. C'est pas comme en Afrique, vous avez rien à faire, vous partez rempli funérail, vous partez rempli là. Non, non, ici aux États-Unis. Et c'est un chef. Malgré ce qu'il a fait, mais on le pardonne. La mort là, ça appelle tout le monde. Je n'ai pas soutenu dans ce qu'il a fait. J'ai rien qu'à la pas soutenu dans ce qu'il a fait. Mais quand on dit quelqu'un est mort là, on abaisse les bras, on accompagne la personne. Je ne vais pas être dans le funérail là, parce que je ne comprends rien. Le monsieur dit, enterrez-moi ici aux États-Unis. Beaucoup, beaucoup d'argent veulent l'envoyer à Abidjan. Même ses parents, même d'Abidjan, ne veulent pas le corps. Ils disent, enterrez-le ici. J'ai causé à son cousin depuis le truc. Il dit, hé, ma fille, il faut faire une vidéo pour les dire, donc enterrez le corps ici, on est fatigué. Et lui-même, ses propres parents. Lui-même, ses propres parents disent qu'il a enterré son corps aux États-Unis. Il a déjà pris mon billet. Dès que beaucoup, beaucoup d'argent a fini son enterrement, moi, j'ai venu faire pour moi. À voir ses enfants, voir sa femme, donner mon enveloppe, aller encore chez sa maman. Faire mon yako chez sa maman, ce qu'on appelle ami. Vous êtes là, là-bas, vous êtes en funérailles. Non, c'est nous, vous êtes en funérailles que vous allez là-bas pour aller faire vidéo, pour aller prendre des points. On ne sait pas où le corps s'en va. Je ne suis pas allé. Moi, je n'habite pas là-bas. Moi, j'habite ici au Texas. Je n'ai pas allé, me balader devant, derrière vous. Je n'ai pas le temps pour aller me balader derrière vous. Pour, pas, et puis, j'allais tomber là-bas et puis mourir là-bas avec son corps. Parce que le corps, on ne sait pas où ça s'en va. Le corps fait va. Vous voulez me tuer, mais quoi? Vous voulez me tuer? Quelqu'un ne m'enseigne pas, même son corps s'en va. Moi, je suis parti là-bas. C'est quel deuil je vais partir faire. On ne sait pas où le corps s'en va. Voilà qu'on a déplacé dans votre main. On dit enterrer le monsieur ici. Je l'ai venu, on allait faire son enterrement dignement. Si elle doit payer, je vais payer. Et puis, on allait l'enterrer dignement ici. Il n'y aura pas bouche sur nous. Vous êtes là dans le depuis là. Vous êtes là à Abidjan. Même à Abidjan, ses parents disent non, enterrez-le ici. Vous êtes têtu. Oh! Des faux stars.